Alors là, aujourd'hui, les frérots, les gars, je sais pas si vous avez vu le titre du live, mais le live d'aujourd'hui est un live sponsorisé par EDF. Voilà, c'est incroyable. Et aujourd'hui, les gars, on va jouer à Minecraft avec Apier. On va jouer sur un mod, sur un datapack, où on va devoir utiliser aucun minerai de charbon. Alors maintenant, posez-vous une minute et imaginez Minecraft sans charbon. Mais je vous jure que le concept du live, je trouve qu'elle est trop bien. Ah oui, alors, c'est un mod qui a été co-créé par Andorra, voilà, qui est le développeur, moi-même et Pierre, et aussi EDF. Et c'est un mod Minecraft qui a pour but de sensibiliser tout simplement les jeunes à tout ce qui est émission de CO2 et tout. Donc par exemple, le charbon, on sait que c'est une énergie qui pollue. Et du coup, c'est un peu pour sensibiliser au mix électrique. Donc c'est-à-dire tout ce qui est centrale nucléaire, tout ce qui est éolienne, panneaux photovoltaïques, tout ce qui est énergie bas carbone. Et donc EDF, par exemple, pour 2050, s'est engagé à avoir un avenir neutre en termes de CO2. Donc ça, c'est trop trop bien pour notre avenir en termes de réchauffement climatique, parce que c'est une urgence, tout simplement. Du coup, le charbon n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, il est présent. Mais vous allez voir que, en fait, dans le mod, on a une barre de carbone. Et en gros, plus tu vas utiliser des choses comme du charbon, par exemple, ça va t'enlever des points et ça va t'enlever des vies, en fait, dans le jeu. Mais par contre, à l'inverse, si tu utilises les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les barrages hydrauliques, tout ça, ça va te rajouter des points. Et du coup, ça va te donner des points et de la vie, en plus. En fait, ça va te donner des bonus. Et à l'inverse, ça va te donner des malus. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour aller miner? Comment on fait pour tout simplement... je sais pas, moi, tu veux cuire ton poulet, comment tu fais? Parce que tu peux pas, tu vois. C'est impossible, bah tu prends du bois et bien... Ouais, mais c'est chiant, le bois. Et tu vas me dire que tu vas aller faire une déforestation d'arbres au lieu de pouvoir utiliser une éolienne qui va te fabriquer de l'électricité. Allô? Ouais. Salut. Désolé, j'ai pris un peu de temps, j'ai expliqué le mode aux gens. Non, y a pas de souci, j'étais en train de parler tranquille aussi, donc t'inquiète pas. Et là, on était en train de parler d'un truc, d'ailleurs, peut-être que toi tu t'en souviens, le mix énergétique, c'était quoi dans l'ordre? Il y avait nucléaire en premier, en deuxième, c'était hydraulique, il me semble. Alors, il y a le nucléaire, il y a le hydraulique, il y a les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Ouais. Il me semble que c'est bon. Et sauf que nous, on va faire l'inverse, on va commencer par les panneaux solaires, parce que c'est ce qui est plus simple à construire. Oui, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, oui, c'est un truc que chacun peut faire chez soi, d'ailleurs. Vous pouvez installer des panneaux solaires sur votre toit. C'est vrai. Est-ce que toi aussi, t'as une... Oui, une petite clé à molette. Clé à molette, voilà, je cherchais le bon. On m'avait pas dit que j'allais faire du bricolage. Là, alors ça, apparemment, c'est pour ramasser tout ce qui est élément qui fait partie du datapack, par exemple, ouais, ça, les câbles, les trucs comme ça. Voilà. Ah, ça, attends, ça... Et cette tasse de craft, elle est faite pour, justement, crafter les éléments du datapack, donc par exemple, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et tout le tralala. Je pense qu'on a une première mission qui peut être attaquée. Oh, les panneaux solaires, il faut qu'on regarde le craft. Ah oui, parce que oui, les crafts... Et on doit probablement aller miner. Construire un panneau solaire et les câbles, donc partir chercher les ressources. Et pour cela, on doit utiliser les lampes sur batterie, sinon on va voir que dalle, honnêtement. Alors, oui. Les lampes sur batterie, si je me souviens bien, c'est du fer, de la glowstone et de la redstone. Alors attends. Sauvé. Ah oui, en plus, par contre, c'est très rigolo, la table, elle est commune à nous deux. C'est-à-dire que je vois ce que tu fais, hop, je t'ai piqué 16 lampes. Ah, j'ai... Ah, oh, t'es en train de piquer mes lampes. Vas-y, prends. Hop. c'est bon. Et t'as vu, les items restent dedans. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ouais, ça, c'est... Ah, c'est incroyable, ça. Le partage de table de craft. Attends, je remplace cette petite lampe faite avec du charbon par une petite lanterne à batterie. C'est plus oh joli. Mais c'est grave plus stylé, en plus. Attends, hop là, ça va pas, ça. Monsieur, connaissez-vous les... Il est pas responsable, hein. Vous êtes pas responsable, monsieur. Nice. Alors, quelle maison tu vas alimenter en premier, tiens? Alors, une maison qui a l'air de produire énormément, d'utiliser beaucoup de charbon. Ce serait pas mal. Là, il y a un four. Regarde, là, j'ai trouvé la forge. Ah oui, bah lui, on va lui mettre des panneaux. Hein. Bah ouais, faut remplacer tous ces fours, là. Ça ah oui, non, là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud de ouf. Alors, comment on construit les panneaux photovoltaïques? On va s'occuper de décarboniser cette ville. Alors, le monsieur, lui, on va lui remettre une main. Décarboner. Monsieur... Décarboniser, c'est quand ça... Trois crochets ta casserole. Alors, un smoker, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Je pense que ça prend du... Ça utilise du charbon, ça, ça dégage. À prendre de l'eau. Ah ouais, là, il y en avait une. Ça, on va enlever. Et on met ça à la place. Là, il y a une torche. On enlève. Par pitié, pas de torche. Là non plus. Okay. Ouais, ça, les torches, par contre, faut virer, c'est clair.
Les torches, on vire. En fait, tout ce qui est fait à base de charbon ou qui utilise du charbon, on enlève. Ça, on enlève, ça veut dire... Alors, du coup, moi, j'ai créé du silicium. Alors, première étape, silicium, ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on... Ensuite, il nous faut des vitres et du cuivre. Oh, mon silicium. Ah non, il est là, le silicium. Non, regarde. Oh le taux de silicium a augmenté un petit peu. Oh là là, j'avais fait 8. C'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Ah oui, parce qu'on en produit... Oui, on les produit deux par deux. Il en faudrait... Oui, 8, c'est bien. J'en ai 8. Sachant... Il faudrait juste qu'on en refasse un... Attends, 2 de plus, comme ça on peut faire 3 panneaux solaires. Bon, les coordonnées, ça doit être quoi? Quasiment 0,0 du portail, c'est quoi? 30, 50. Hop, faut que je retienne ça. Oh, j'ai fait mon premier panneau. C'est incroyable ce que je ressens, là. Ah, en plus, t'as l'achievement et tout. Ouais, ça, c'est incroyable. Alors, hop. Craft power source et solar panel crafted. Trop bien. Ok. C'est calculé. Ouh ! J'ai failli mourir. Un creeper. Oh, c'est incroyable. Tu les as mis où, les panneaux solaires, du coup ? Je les ai mis... Ah, je les vois. Je te vois là-bas. Je l'ai mis sur une maison et c'est très esthétique, honnêtement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, bien. Attends, ils sont bien, ouais, ils sont bien orientés. Je crois. Orientés vers le soleil. Et du coup, il manque juste le contrôleur qu'on va mettre là. Ah oui, le contrôleur qui, du coup, va permettre de transformer l'énergie produite par les photons. Enfin, les je crois que ça s'appelle comme ça, les photons. Les cellules photovoltaïques, je ne sais pas. Qui va permettre de transformer l'énergie produite... Par, par le panneau solaire en électricité, tout simplement. Et si on fait F5 sur le wiki, c'est bien 62. Oh là 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 là, c'est corrigé en direct live. Incroyable. Bon, okay. Alors là, par contre, je vais cuire mon sable. Hein. Vas-y, est-ce que les méchouis... Bon oui, c'est bon, ça marche. Oh putain, mais en plus, ça cuit vite. Mais ça cuit grave vite. Monsieur, il y a un bug électrique. Pourquoi ça fonctionne plus? Bah parce que le soleil est en train de se coucher. Qu'on aille dormir. Eh bah oui. Eh bah oui, la nuit ça ne marche plus. J'avais pas pensé à ça. Bah c'est bon ça, va falloir qu'on passe aux éoliennes. Ouais, parce que là... Avec l'éolien, bah s'il n'y a pas de vent par contre, ouais, ça produit pas. Il y a des périodes des fois où t'as des anticyclones sur la France, etc. et ça produit moins. Donc c'est pour ça qu'à la fin on construira du nucléaire. Bon, ça marche tout le temps, sauf quand il faut faire de la maintenance. Même. Ok, ça c'est good. Et du coup, pour le craft de l'éolienne... Nous avons ça, et ça. Oh, j'ai mon éolienne, les frérots. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on la pose? Alors, il faut choisir un endroit où il y a de la place. Oui, parce que moi, là, j'ai voulu la mettre. Il m'a dit, nope, il n'y a pas de place ici, monsieur. Oh, waouh! Oh, je l'ai mis dans le mauvais sens. A besoin de plus de place, je sais pas exactement. Oh, regarde, on est passé à 430 points. Ouh, bah attends, incroyable. Moi aussi, ça va... Ça va augmenter, mais par contre, il faut plus de place. Et je sais pas comment la placer exactement. Oh, on peut rentrer dans l'éolienne. Attends, ça, c'est incroyable. La plateforme se génère automatiquement. Ok. Alors, je vais essayer de le mettre dans le... Je pense qu'il faut que je clique. Waouh, c'est trop stylé la vision que j'ai, le chat. Regardez. On est sur l'éolienne avec le petit coucher de soleil, là. C'est incroyable. La question est, comment on la relie? Attends, j'ai envie d'aller à l'intérieur et creuser un trou, du coup, pour pas mettre des câbles partout dans la ville. Mais attends, mais elle tourne. Mais attends, mais c'est incroyable! Ils les ont mis en route! Mais attends, mais ils nous avaient dit que c'était pas possible! Et bah, ils nous surprennent! Il est génial, DataPack, même les rotations des éoliennes est programmée! Mais oui, mais c'est incroyable! Ils sont trop forts en vrai! Ils sont trop forts! En vrai, c'est incroyable! La rotation des éoliennes, ça rend trop bien! Et deux pistons, et au milieu, le. Je sais pas ce que c'est, un observeur. C'est bon, j'ai le Turbo Alternator Group! Parfait, bah tiens. T'as la passe à poisson. J'ai tout le reste, tu peux m'envoyer. Ah, j'avais le tube aussi, bah tiens, je t'envoie le comp alternateur. Ok, et du coup, il nous faut... Ah, alors, il faut la passe à poisson ici, hop, comme ça, on le met. Oh, tu l'as fait, la vanne de contrôle? Centrale, attends, il manque quoi? Normalement, la vanne de contrôle... Ouais, la vanne de contrôle, c'est fait.
Ok, et le barrage central, on met ça, le barrage est fait, la vanne de contrôle est fait, il manque... Et la centrale hydroalcoolique, il faut... Hydroélectrique, pardon. Ça, c'est bon aussi, et regarde, bam, voilà notre barrage. Viens le placer. Attends, je veux regarder ça. Ah, c'est pas un beaver dam, évidemment. On va aller voir s'il y a du vent après. Mais en vrai, l'éolienne, ouais, elle produit assez pour quasiment alimenter toute la maison. Pas tout le village, mais au pire, on reliera la centrale nucléaire. Alors, regarde, attention. Mince. Le flop. Attends, je sais que par ici, il y a un endroit où ça marche. Oh voilà. Voici le barrage. Bah attends, mais regarde tous nos points de vie, ça, c'est incroyable. Oh là là, tant de vie. Et donc du coup, t'as le barrage, tu vois. Et avec l'eau qui arrive ici, et on sort le branchement juste ici. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Bon, attends, on a tout fait, il reste plus qu'une chose, il reste plus que la centrale nucléaire. Bon, on va peut-être faire quelques appareils, là, histoire d'équiper la maison de notre petit. Moi, je veux faire la plancha. Ouais, bah, absolument. Vas-y, go faire la plancha. Moi, je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont comme petit appareil. Il y a un PC. Je sais qu'il y a un PC. Alors, moi, je vais me permettre de faire un endroit barbecue dans le village. Hop, voilà, ici. On va pouvoir mettre la plancha. Alors, comment... Plancha. Alors, il faut une résistance chauffante. Pour ça, il faut 4 fers et un feu. Tac, 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 tac. Hop là. Petite résistance, ça c'est bon. On dirait une fourchette géante. Oui, on dirait une fourchette. Ok, et du coup, il nous faut des barreaux et la plancha sera finie. Parfait, ben moi je vais faire du pain là pour me faire du pain grillé. J'ai trop envie de tester la plancha là. Oh là là là, incroyable! Beer grills can handle this. J'ai une plancha dans les mains, ça me fume. Ah oui, mais je suis bête, la plancha, je l'ai mis là, mais la plancha, il faut l'alimenter en électricité. Il n'a pas validé celui-là. Je l'ai mis au milieu de la ville. Est-ce que quelqu'un d'aimable pourrait accueillir une belle plancha? Bah oui, regarde là, près du frigo. Tu mets une plancha là, sur le côté là. Par terre. Juste à côté du frigo. Voilà la plancha ici. Je peux pas... Attends, comment on fait pour mettre la viande dessus? Oh, regarde. Oh, le petit poisson. Il chauffe le poisson ou pas? Attends, je mets le toaster à côté. Attends, il y a peut-être une surcharge électrique là pour... Non mais non, on a maintenant son cours sur les éoliennes, il faut qu'on attende. Ah mais attend. Oui. La gazinière. Alors, il n'y a pas de gazinière pour le coup. Il y en a pas. C'est le four électrique quoi. Ouais, voilà. Allez-vous-en. Hop, et puis après, je pense qu'on va s'attaquer à la centrale nucléaire. Bah, en vrai, ouais. Hein. Alors, hop là, et hop là. Bien évidemment, je me suis trompée de table de craft, ça change pas. C'est facile, tu peux utiliser du bois. Pour utiliser aucun minerai. Attends, non, on a dit utiliser aucun minerai de charbon. Si tu utilises du charbon de bois, ça t'enlève des éco-points. Et moins t'as des copains, plus tu perds de points et plus tu perds de la vie. Je peux dire que c'est pas ouf. Oh, j'ai un gros PC gamer là. Attends, incroyable. C'est dans la maison du frigo. Il a tout l'équipement. Mais lui, il se met trop bien. Oh, c'est bon, le poisson, il a cuit. Regarde, ouais, tu vois, les spiders, ils sont tous transformés. Ils sont en edible. Regarde, il y a un PC là. Écoute, je propose de commencer la construction de la centrale, évidemment. La centrale, ça a l'air d'être un truc de ouf, parce qu'il y a des trucs ah oui, non, à attends, voir. J'ai pas testé le grille-pain. Ouais, la centrale, on va voir ça, je pense qu'on va passer panneau pas mal de temps dessus. Centrale nucléaire. Ok, il faut... Oula, il faut ça, avec ça au milieu. J'ai fait le bâtiment du réacteur. Ensuite, il faut une turbine. En soi, c'est bon, je suis en train de la faire. C'est en bon vrai, en vrai, ça va du coup. Ouais, parce que là, je suis en train de faire justement le bâtiment secondaire. T'as fait le... Ah mais non, attends, il y a le circuit de refroidissement et tout. T'as fait ça? Ouais, circuit de refroidissement, c'est fait. En okay. Gros, regarde, j'ai la salle des machines, j'ai le circuit secondaire, toi, t'as le circuit primaire, je crois. J'ai le réacteur building. En fait, le circuit primaire, il est dans le réacteur ouais. Building, je l'ai bah, tiens, j'ai regarde, fait. Regarde, sous toi, tu peux le mettre juste en haut et on va voir la centrale nucléaire. Oh! Hop là! T'en as d'être ça? Trop bien. Alors maintenant, One generator to rule them all. Ouais, bon alors. Maintenant, il y a...
Il va falloir de... il faut de l'espace pour une centrale nucléaire, hein. Et on va s'éloigner un petit peu quand même des habitations. More space. Oh! Oh! Waouh! Bah ouais, c'est énorme! Hey, ça a marché ce coup-ci. Attendez. Oh, le... l'immensité. Ah, alors, la sortie électrique, sache-le, est là, apparemment. On se branche sur ce gros câble. Oh, regarde les éco-points. Ah oui, alors les éco-points, on est à 1200, on a tout pété. Non, mais en plus, elle se visite, regardez-moi ça. Ah oui, là, c'est... Attends, oui, il y a une histoire de... Il faut qu'on mette l'uranium. Et c'est vrai qu'il faut qu'on... On avait oublié ça. Bon, faudra qu'on aille chercher de l'uranium. Mais pour démarrer la centrale nucléaire, on est obligé de l'alimenter en électricité. Parce que tu sais, il faut démarrer toutes les pompes du circuit pour refroidir combustible, etc., etc., etc. Avant de pouvoir la mettre en route. Donc faudra... il faut 900. On va peut-être devoir reconstruire des éoliennes qu'on mettra à côté. Ouais. Bah, au pire, on peut... Ouais, bah oui. Ça c'est incroyable. Turbines. Les turbines, incroyables. Regardez le réacteur. T'es rentré si par quel... Attends. Là, ouais, ouais, tu y es, ouais, ouais, ouais. Par là. Ok. Oh là là. Regarde-moi ça. Oh, il y a un creeper qui se balade. Oh, il y a des creepers qui se baladent là-haut. Attention, danger. Ça peut exploser à tout moment. Bien évidemment, donc, non. évidemment, non, rassurez-vous. Bien bon, évidemment, alors, non. En vrai, sachez-le, parce que ça avait été, justement, on en avait discuté. Oula. On va faire attention aux creepers. Dans la réalité, c'est pas exactement comme ça, mais c'est une belle représentation parce que la partie du réacteur, on le voit pas quoi. Ah, mais on pourra les mettre là, les éoliennes. On les met les deux là. Nickel, ça va être incroyable. Oui. Comment brancher votre centrale? La sortie se fait par la prise de gauche, celle qui est plus foncée. C'est ici que vous pouvez brancher vos câbles pour récupérer votre électricité. Ah, attends, ah oui. Peut-être que l'autre, on peut la déplacer en vrai. Je vais la déplacer là. On veut parler loin. Alors je crois que c'est dans input qu'il faut mettre. Ouais. Bon, attention, à tout moment, je casse tout. Tu mets un bug de dérivation de... Attends, regarde. T'inquiète. On va le faire vraiment en mode parfait. Ah ok, c'est branché. En plus, attends, je crois qu'il y a du vent. Il y a du vent. Ça tourne aux éoliennes. Oui, ouais, oui, ça tourne bien. Il faut qu'on aille mettre l'uranium. J'ai pris l'uranium. Go dans la salle. Vas-y. Go. Ok. Attends, je mets dedans. Uranium, c'est bon. Attends. Pourquoi il me dit... Il y a une croix. Pourquoi il me dit uranium que c'est pas bon? Ah, c'est peut-être pas ici qu'il faut que je le mette. Ah, mais attends, non, c'est un fragment d'uranium que t'as, toi. Messieurs, est-ce que vous... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, parfait. T'en as plein. Bah, du coup, tu peux crafter une barre d'uranium, je pense, avec... Hop, alors, attends, ça dégage. Hop. Ça ressemble à quoi? Oh là là. Oh, c'est beau. Attends, bah, on peut même en faire en plein. Tu en prends tout. Hop. Je prends. Je le manie avec des gants. Bien évidemment. Hop, la sécurité avant tout. Alors, faut pas shift, faut juste le poser. Ouais, j'ai pas fait exprès. Ok. Press the red button. C'est on. Ah, mais en fait, c'est notre alimentation qui est pas constante, j'ai l'impression. Attends, je vais regarder. Bah, on, comment on sait si ça produit? Il faudrait faire une sortie et mettre un ordinateur, tu sais. Genre là comme ça. Peut-être ça. Il y avait une cape. Non, parce que. Ah, c'est bon, ça l'a mis. Nice. Sauf qu'il est pas dans le bon sens. Attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Ah. Hop, c'est bon. Faut que je me mette juste dans l'autre sens, mais ça le met. Voilà. Et là, c'est bon, t'as la sortie de ce côté-là, je crois. Ouais. Attends, le régal. Une petite box, hop. Vas-y, mets un câble au-dessus. Et je pense que tu peux monter. Monte encore un au-dessus. Comme ça, on sera bien aligné. Hop. Vas-y, par là, et puis on va faire une dérivation. Attends, je regarde. Faut peut-être casser et replacer le barrage. Ah, c'est bon. Don't try. Ça sonne. Parce que j'ai fait une boucle avec les câbles, faut pas faire ça. Évidemment. Le court-circuit qu'on apprend à l'école. Attendez, on va remettre un petit peu des sables là. Devant la centrale.
Du coup, normalement, c'est bon, là. On. Mais je pense qu'il faut mettre un diffuseur max d'énergie, là. Ah oui, un diffuseur, bah ouais, max. Bon, en tout cas, on a alimenté notre centrale nucléaire, et ça, c'est incroyable. Donc ouais. Ça... Elle fonctionne. Donc ça, bah, ça peut être alimenté comment? Vous pouvez... En alternative, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez bah, mettre votre centrale près de votre maison et faire des réseaux souterrains de câbles. Et vous pouvez faire des... Ouais. Bon, normalement, la centrale, hein, c'est pour alimenter beaucoup d'habitations. Oui. Évidemment, pas pour construire 70... Pour mettre 70 fours électriques et 150 frigos dans votre maison. Bien évidemment. Non, on n'oublie pas, on essaye de limiter la consommation quand même. Bah j'essaie de retrouver mon... Ah, voilà, mon... Ah, mais il faut que je fasse une ampoule. Ah, bah, il n'y a plus de récepteur ici. Je vais aller à la centrale nucléaire, je vais mettre le nombre de cœurs pété. Ah, là, je suis invincible, hein. Ah oui, tu peux y aller, les creepers te feront rien. Et là, je mets... Oh, le ventilo. Ah, t'as fait le ventilo, super. Oh, il pousse les... C'est incroyable, là. Et la lumière fut. Attends, il te pousse? Non, pas moi. Ah oui, moi. Il pousse les items. Oh ouais, mais si, il nous pousse nous aussi, regarde. Fais voir. Ah ouais. Oh, l'enfer. J'ai placé une lumière. Oh, une... elle est belle. C'est la lampe. Elle est belle, la lampe. Hein. Et regarde, ouais. On peut l'allumer et éteindre. Jour, nuit. On a tout fait, quoi. Barre déco ouais. Point au max. On a tout fait. Bah, on et est bien. Eh ben, écoute. On est au max. Très sympa, et en plus là il y a tout qui tourne. Bon bah écoutez, c'était, bah, fait... c'était pas mal, ouais. C'était vraiment sympa comme, ouais, on a comme fait petite bon aventure. Ouais, moi j'ai bien kiffé. On a fait du bon boulot, les villageois sont désormais équipés en appareils électriques et en électricité, et ça c'est incroyable. C'est tout ce qu'on ils veut. Ont leur four. et bah ouais, on vous le rappelle hein, une fois de plus, mais ça sera disponible à partir de... Lundi. 18h. Lundi 18h. Sur le wiki, le wiki du datapack, donc point d'exclamation EDF pour ma part. Et ouais, et point d'exclamation Carbon Fighter chez moi. Et puis comme ça, vous pourrez vous amuser chez vous pour de l'électricité décarbonée et non pas décarbonatée. Moi j'ai dit décarbonisée, mais il faut pas utiliser ces termes. C'est décarboné. C'est des mots proches, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Ouais, c'est non. Décarboné. Donc voilà, non, en vrai, trop cool le live. Moi j'ai bien kiffé faire ça. J'ai bien kiffé faire les petites éoliennes, les petites centrales. C'était sympa. Et on s'en est très bien sorti au final, ouais. Sans charbon. Bah ouais. Et hein. Tu sais que je n'ai même pas miné un de charbon pour le coup. J'ai réussi. Je crois qu'on peut le voir dans statistiques. Alors moi j'en ai miné quelques-uns sans faire exprès, mais on a eu besoin que d'un seau de lave. Oui, on n'a pas utilisé de charbon. Par contre, on n'a pas utilisé de charbon parce que tu as utilisé un seau de lave pour faire cuire, effectivement. Ouais. J'ai utilisé un seau de lave, mais bon, dans la vraie vie, ça m'étonnerait qu'on utilise des seaux de lave pour... Peut-être en Islande. Pour chauffer des choses. Et pourquoi pas. C'est dangereux. Enfin, sauf si ouais, c'est dangereux. Non, On va éviter. Non, en vrai, c'était bien cool. J'espère que tout le monde a bien kiffé la petite expérience. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Ouais. On a beaucoup d'éco-points, il y a beaucoup de villageois qui sont très contents. Ouais, ils sont tous contents, ils nous ont envoyé plein de cœurs tout à l'heure, on est juste les boss en fait. Et... Exactement, voilà. C'était super cool. Bah écoute, Pierre, c'est cool de faire ça avec toi, moi j'ai bien kiffé. Ouais, c'était bien sympa. Et bah écoute, c'est là où que la soirée se finit très et simplement oui. Quoi. Et oui, tu vas pouvoir dormir après cette longue journée. Parce que je suis tellement fatiguée. De toute façon, on vous remettra sur Twitter, enfin sur nos réseaux, oui, le lien dès que ça sera dispo et comme ça vous aurez juste à... Oui, on relayera toutes les infos si besoin, même si n'hésitez pas à envoyer un DM si besoin, si je l'ai pas fait, voilà. Mes néoliennes chez moi. Bah écoute, moi je vais te laisser là. Ouais. Et au plaisir quoi. Bah ouais, écoute, passe une bonne soirée, ouais. Toi aussi. Ciao.